Salut tout le monde. Bah là il fait pas le vent, hein. On est lundi, lundi 30, et puis bon. Je viens de m'installer il y a pas longtemps. Ouais, je viens de m'installer il y a pas longtemps, mais bon, il n'y a personne, personne autour de l'étang. Super, alors ça j'aime bien. Hein, tu as monté, on est quand même deux pêcheurs. Il y a un héron là-bas qui est tranquille là-bas, l'autre ça va. Oui, donc en arrivant déjà, il y avait un peu d'activité là sur mon cou, et un petit peu là-bas en fait. Et là j'ai vu un petit saut de carpe là, et là-bas un peu d'activité de petits poissons, donc à mon avis l'amorçage que j'ai dû faire a dû attirer quand même un peu la pêcheur, avec les pellets d'hier, et puis bah, on va bien voir ce que ça va donner, j'espère qu'on va faire quelque chose. Hein. En tout cas... Donc je vais commencer à ranger un peu mon matos, puis en foutoir dans le bordel là. Installer tout ça propre, et puis on verra. Donc à tout à l'heure. Bon voilà, tout le bordel est installé, maintenant je suis tranquille. Hein, il est 8h et de boîte. Donc, là, je vais vous parler un peu de ma stratégie. En fait, j'ai pêché en éventail aujourd'hui, hein, pour avoir un peu plus de chance, parce que comme j'ai amorcé en assiette, sur un secteur assez vaste, j'aimerais bien regarder si ça touche d'un côté plus que l'autre. Donc, je vais vous expliquer un peu. Sur la première canne, là, elle est échée d'une bouillette Monster Crab. Elle est placée sur un secteur qui est un peu vaseux. Je l'ai senti quand le camp a touché, en fait. Donc il est très peu sur un petit coin tranquille, quoi. La deuxième, j'ai mis une bouillette aux fruits, à un goût cerise. Donc, et celle-là, je pense qu'elle est bien placée aussi, parce qu'elle a touché quelque chose de dur. Donc ça doit être un petit enfant avec des galets, je ne sais pas quoi. Et la troisième, c'est pareil, c'est moule écrevisse. Donc, elle aussi, elle est sur un secteur un peu vaseux. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Et puis, on espère qu'on pourra faire quelque chose. Mais il y a quand même de l'activité. Hein. Donc, franchement, j'ai vu pas mal de poissons sauter. Des blancs, beaucoup, mais... Donc voilà. Pour passer le temps un petit peu, je vais vous faire une présentation de l'étang. Là. Il est juste derrière mon secteur en fait. Un petit étang. L'hectare, je ne le connais pas. Mais bon, il est pas mal pour pêcher la friture. Ceux qui aiment bien pêcher la fritoche, c'est pas mal. J'aime bien aller là aussi. Bon, la population de carpes ici est très rare. Mais il y en a quand même. Ça communique avec le grand étang, par une petite goulotte là. Très bon secteur pour pêcher la perche. Hein. Ça, j'aime bien cet endroit. Franchement, à la dandine avec des vers de terre, il n'y a rien de tel. Voilà. Petite vue un peu du bordel. Pas mal. Petit coin tranquille. Hein. Là aussi il y a un peu d'activité de petits poissons, donc c'est que l'eau elle se réchauffe quand même. Hein. Voilà, on va aller faire un petit tour sur mon secteur, mon ancien secteur de carpe. Donc voilà, on est sur mon ancien secteur de carpe ici. Hein, il y a un ponton là, avant il était plus beau que ça maintenant. Que j'ai laissé tomber le coin, voilà, quoi. Il y a un peu de bordel. Voilà. Donc, mon petit coin où j'ai pratiqué la carpe une paire de semaines aussi ici. Hein. Enfin, les premiers temps, j'ai fait pas mal de poissons, mais après, ça s'est calmé avec les chats. Bon, vous tient un peu d'activité. Hein. Il y a beaucoup de petites carpes ici dans le coin là. Pourquoi, je ne sais pas.
Peut-être un rapport au faux vendeux. Mais bon. C'est quand même du poisson. Voilà. Je vais retourner sur mon poste là-bas. Parce que je suis assez loin quand même. Donc voilà, là on est à quelques mètres de mon poste. Où il y a l'arbre qui est mort. Là, sur, sur la flotte. Donc là je suis hors secteur de nuit. Hein. Donc, mais bon, de l'autre côté j'y placerai un montage et je ferai un amorçage à la graine près de cet arbre là. Que je pense que c'est bon là-dedans. Les carpes doivent s'y sentir à l'aise. Et c'est pareil ici, c'est un secteur qui est pas mal pêché pour la friture et le brochet. C'est la moindre différence sur un bord ou un truc comme ça, c'est impeccable pour pêcher le brochet, hein, ils y viennent. De toute façon, on peut voir qu'il y a du monde parce que là, je viens de voir ça aujourd'hui. Truc là, poser la canne, des machins là, voilà, à mon avis c'est les bracodires, voilà, il y a pas mal aussi d'oiseaux, hein. Des grèbes, des foulques, beaucoup de cormorants aussi, il y en a qui sont encore là, hein. Des poules d'eau, des hirondelles, les hérons, les corbeaux et des viandors. Voilà. Les viandors. Les voleurs de poissons. Bon ben voilà. Là, je vais retourner à mon poste. Voilà. Juste derrière. Mon poste est juste derrière. Derrière cet arbre. Bon là il est à peu près quoi 10h, 10h et quart. Hein, dans les zones là. Et ben, toujours rien. Si, une touche là, sur la canne là. Mais c'est une hirondelle qui a tapé dans le fil donc. Là il fait froid, il y a du vent. Il y a du vent. J'ai remis les gants, j'ai remis la capuche. Ça souffle de mon côté. Et il y a quoi, il y a une demi-heure de ça. Une belle carpe a monté en surface là, à moins de 3 mètres de l'arbre. Donc. Je pense que je vais mettre la quatrième canne la prochaine fois sur le secteur là avec un amorçage à la graine. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Donc à prospecter ce coin là. Et puis rester là. Toujours, toujours sur le même principe. Et puis voilà quoi. Donc mais bon, ça sent le capot quand même. Hein. Ça sent le capot aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est juste un essai. C'est pour pouvoir s'adapter, pour savoir où exactement est le poisson. S'il est plus loin, moins loin, plus près, en bordure. Il faut essayer partout. Et on verra bien. Donc, on va rester blindé, quoi. Allez, à tout à l'heure. Donc là, il est l'heure que je rembole, hein. Il fait froid en plus, toujours. Malgré qu'il y a du soleil, ça caille quand même. Pour un printemps, c'est pas plaisir. J'espère qu'au mois d'avril, il fera meilleur. Hein. Et puis, voilà quoi, j'ai été capot aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que c'est juste un essai. Et puis, on verra ça mercredi. Mais bon, ouais, c'est toujours la patate, hein. Je m'en fous. Allez, bye.